tout le monde, ici Gamer King pour ce nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy VIII. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va super, mais super comme d'habitude. Parce qu'on vient de franchir la barre des 35 abonnés. Je trouve ça extra. C'est vraiment cool. Puis, Dieu merci, il y a de l'air. Hop, j'ai déclenché une petite cinématique. C'est bon. Voilà. Bon, c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Oui, j'ai prévu une vidéo pour les 35 abonnés. Que je suis en train de taffer dessus. Ça va être plus ou moins le fun. Voilà. Je sais pas quoi dire. Et j'ai rien fait pendant les deux derniers épisodes. Évidemment, je pouvais pas. Mais là, j'ai force. Alexander, en fait, je vais le faire apprendre à ranimer avant. Puis après, je le fais apprendre Sweater. Parce que, il me semble, ben, qu'est-ce que j'ai vu? Sweater, dès qu'il a appris, il apprend une autre compétence qui va être super utile pour après. Il apprend la compétence, je crois, soin niveau plus, qui permet de confectionner des objets comme potions. Tu peux les mettre à potion plus. Donc ça va être super utile pour une des forces qu'on a de besoin. Pas pour la fin, je veux juste compléter toutes les efforts, pardonnez-moi. Et pour Squall, je pense que je l'ai montré, mais je l'ai mis pillé. Je pense pas que ça change grandement son attaque. Mais ça va me permettre tout simplement de voler des objets à des ennemis. Bref, c'est tout. Donc on peut aller dans l'Hydre, le nouveau vaisseau. Quoi? Merci, Squall. Tu m'as encore sauvé. Merci du fond du cœur. Je ne pouvais pas te laisser. C'était plus fort que moi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, bref, Squall parle un petit peu comme moi. Non, pense un petit peu comme moi. Ben, bon, on s'en fout. On ne pouvait rien faire avant. À cause de la combinaison spatiale. Ah. Un petit câlin de remerciement? Un quoi de remerciement? Tu mérites bien ça. J'ai besoin de me sentir vivante. Vivre. C'est survivre. Survivre qui est difficile. Nous ne sommes pas au bout de nos peines, tu sais? Pour continuer, nous allons devoir retrouver les autres. Je ne veux pas devenir un souvenir. Exactement. Voilà. Avec cette magnifique musique. Puis, Squall n'a pas fait de câlin. Bon, c'est pas grave, on pourrait dire. Mais que... Ah! Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Il me semble que ça s'appelle des aliénateurs. Ça n'a pas l'air très amical. On va essayer de passer sans se faire voir. On doit s'entendre à tout. Mieux vaut vérifier nos associations. Quand il dit ça, ça veut dire regarde tes associations parce que tu vas combattre. Voilà, on check. Je l'ai montré un petit peu. J'ai mis un coup, donc la magie mort. Donc elle a 20% de tuer quelqu'un en attaquant normalement. Puis elle est protégée avec grâce à Izuna et Boomerang. Pourquoi 7% pour le zombie? Ça, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais bon. Voilà.
dites assez vite. Ça ne sert à rien, c'est bloqué, il va falloir descendre. Donc on doit descendre. Et on va essayer d'aller dans la porte là-bas. Bon, on doit le combattre. J'ai pas réussi à l'éviter. Bref, c'est des alienateurs. Tout simplement qu'il faut qu'on va voir. Pardonnez-moi. On va en avoir plusieurs d'alienateurs comme ça. Puis, ah, des rocs fériques, ça pourrait être utile. Bref, on va en avoir plusieurs. Puis, ils ont toutes des couleurs distinctes. Il y a le mauve, le jaune, le vert et le rouge, il me semble. Et il faut qu'on les. Il faut qu'on les élimine par paire, en fait. Ils ont un petit peu un cerveau uni. En quelque sorte. Piqûre hurlante. Voler, qu'est-ce que t'as volé? Soin, lancé sur elle-même. Allez, qu'est-ce qui m'attaque? J'ai pas vu. Ah, cécité, ok. Ah, cécité, un sort de. Waouh, Linoa, bravo! Darkness, en fait. Ah, non, tu. Bon. Emphasie. Non, tu déconnes. Mec, je suis en train de galérer là. C'est n'importe quoi. Allez. Allez, tu le merde. Allez, on s'en fout. Ouais, parfait. Bon, on l'a tué, c'est parfait. Et voilà, on a eu 6 rocs féeriques qui vont nous servir pour quelque chose, mais je m'en rappelle plus. Bon, c'est pas d'XP, c'est comme un combat de boss, en fait. Et, faut que je fasse revivre Linoa. Donc, Linoa. Puis, essayer de pas mourir. Voilà. C'est quoi que j'ai? Je vais mettre un remède. Oui, c'est ça, j'ai Mutis et Darkness. Donc, remède. Voilà. Là, il faut que je trouve... l'autre mauve, sans ça je vais mourir tout simplement. C'est-tu là? J'espère pas. Et non, ça c'est un vert, je crois. Donc on va aller là. Puis on fait vraiment attention. Ouais, parfait, il y avait un jaune. C'est lui. Là il faut qu'on bute lui pour tuer carrément les mauves. C'est assez simple. Voilà. Ah non, en phase. Bon, ok. Elle peut plus rien faire à part attaquer. Bon. Allez, tue-le. Ah non. Elle a quand même 20%. Donc je pense. Je sais comment en voler des Mazi soins. Des Mazi Anku plutôt. Mais je vais aller en voler plus tard. Quand on sera libre. Allez. Je pense aller la soigner avec Squall, c'est pas trop le choix. Piqûre hurlante. Et... Bon. Alors, vas-y. Bimax. Bon, vie. Go. Allez. Ah, ce qu'il fait. C'est quoi? Ok, un petit sort de Darkness. C'est pas si mal. Il aurait pu être pire. Ah, c'est quoi? Ok. Allez. Bon, non, Darkness, je pense que je peux plus faire de coups critiques. Bon. Laisse tomber. Allez. Ouais, tuer. Bon, Linoa va... Ben, on gagne pas d'XP déjà de base. Donc, bon. Mais elle va tout me bouffer mes MT Psy, Linoa, c'est fou. Bon, ok. Oh là là. Bon, de toute façon, je m'en sers tellement pas. Donc, allons. Pas de méga potion. Bon, une potion. Voilà. Ranger. Utiliser. La zik. Voilà. Et... Pas de méga potion. Bon, dans Mazi. Linoa plutôt. Soin. Bon, on va en utiliser un petit peu. En fait, dans Squall, ce serait pas si mal qu'il soit dans le zone en fait.
Ouais. La prochaine fois, je vais le mettre dans le zone. Voilà, ça c'est un vert. Verrou de sûreté activé. Par là. Il y a un jaune? Oui. Il y a un rouge plutôt. Et oui. Donc on va aller tuer l'autre rouge, puis on va être correct. Attaque. Attaque. Il est quand même puissant, mine de rien. C'est fou. Mais on réussit à le battre. On galère un petit peu, mais c'est pas bien grave. Ouais, 6 rocs féeriques, parfait. Je crois que quand il fait ça, sa contre-attaque, on peut pas. On ne vole pas. Mais bon, c'est pas grave. On l'a battu. Parce qu'il lui a décidé de faire des attaques physiques. Ok. C'est cool. Ah, puis comme que vous avez vu, il nous a pas attaqué le verre parce qu'il garde un petit peu l'ascenseur en fait. C'est un ascenseur qui garde. Là, c'est par là, je crois. Voilà, bonjour. Ah, il garde l'ascenseur. Donc bon. Soyons polis avec. Allez, on attaque. Parfait. Il enlève quand même beaucoup de points de vie. Mais j'aimerais mieux qu'il attaque Squall pour les attaques physiques. Parce que c'est... Parce que je vais faire des contre-attaques, donc ça va être mieux. Un petit peu. Un petit peu mieux. Allez, on attaque Emphasie sur Linoa, on dirait. Et oui. Bon. Elle ne parle plus, donc c'est triste. Mais bon. Allez, on le tue? Non, même pas. Ok, il m'attaque physiquement, c'est parfait. Allez, on attaque. Et parfois, on l'a tué. Bon, je vais mettre encore... c'est quoi? Un boca? Je crois que ça s'appelle un boca. Pour Linoa. Bon, ils sont pas tellement difficiles à battre. Objet, boca. Des boca. Sur Linoa. Parfait. J'ai pas de potion. Je vais donner magie Linoa. Je vais donner des soins à Linoa seulement. Voilà. Squall, je vais le laisser comme ça. Pour l'instant. Là-bas, il y a un verre, il me semble. Salut. Ouais, c'est ça. Avec un petit point de sauvegarde, c'est parfait. Allez, on attaque. Emphasie. Je crois que même s'il attaque Emphasie, je peux quand même utiliser mon limit break. Donc c'est pas grave. C'est pas grave en soi. Comme là. Grandisa Souken, parfait. Fais attention à Linoa, s'il te plaît. Gassette. Allez. Parfait. Bon, il est mort. Il est mort. Il n'a même pas eu le temps de dire adieu. Adieu. C'est fou. Bon, le verre, il est mort. Rock mort. Une rock... des rocs mortels. Ça me dit quoi? Je crois que ça prend ça pour créer des magies en coup. Mais ça se peut que je me trompe. Je vais sauvegarder au cas où que je foire comme une merde. J'espère pas. Objet, j'aime pas ça être sous Emphasie. Donc, va-t'en. Donc, on va aller battre l'autre verre dans l'ascenseur. En passant, pour continuer, il faut vraiment faire tous les combats. On peut pas continuer si on n'a pas fait tous les combats. Donc, on n'a pas le choix. Allez, le verre qui est ici, salut. Donc l'autre va. Il me semble, parce que zone et va, ça se ressemble. Je sais pas si ça se ressemble. Allez, t'es capable. Bon, il veut pas.
Ah, là, il voudra. Parfait. Allez. Un petit double coup. Go. Parfait. Allez. Ranzasuken. Et oui. Allez. Parfait. Et oui, perfect. Imperfect. Bon, on l'a battu. Même si Linoa pouvait sortir son limit break. Aucun respect pour Linoa. Pas de limit break de Linoa. Oh, Nosferatu, je crois. J'ai pas eu le temps de lire. Moi, je dis que c'est Nosferatu. Ouais, c'est lui. C'est Magie temporelle. Apprend. Bon. Aspect associé. Après combustion, voilà. Non. Non. Magie Linoa. De toute façon, des magies soins, c'est tellement facile à trouver. Une fois pour Squall, ouais. Oh, bon. C'est pas grave, je l'ai fait un petit peu trop, mais bon. On y va. Par là, il y a un zone qu'on n'a pas le choix de faire. Malheureusement. Mais bon, c'est pas grave en soi. Parce qu'on n'a pas le choix de les faire pour continuer. Oui, les magies un coup, je crois, les voler sur les Tomberry. Que je vous ai montré parce que dans les prochains épisodes, je crois faire des quêtes annexes. Et donc, la quête d'une Z-Force avec les Tomberry est très importante. Donc, je vais le faire. Comptez sur moi. C'est quoi ça? Ok. Bon, j'ai déjà Darkness, il me semble, c'est ça? Qui m'a donné? Ouais. Ouais, parce que je me suis guéri avec un Lazic. Donc, c'est un petit peu logique. Allez, on attaque encore. Il est bientôt mort, je le sens. J'essaie de faire des coups critiques, mais je pense que c'est pas possible en Darkness. Allez, tue-le. On s'en fout, tue-le. Ouais, parfait. Oh là là, il y a encore tué Linoa. Je suis nul. C'est fou. Linoa crève tout le temps. Bon, au moins, ça nous donne pas de l'XP. Oh, Zephyr Vitesse associée. Parfait. Z-Force. Zephyr. Non, c'est pas Zephyr que je veux vitesse associée. Je pense pas. Bon, vitesse plus 20. Ouais. Non, je pense... Non, c'est pas lui. C'est Cerber que je veux vitesse associée. Puis t'as rien appris, pourquoi? Ah, t'es avec Selfie. Bon, Cerber va rien apprendre. Va m'aider. Ça va m'aider vachement. Bref, MT Psy sur Linoa. Et... Magie, Linoa, soin. Voilà. Ouais, j'ai soigné à fond Squall, je sais pas pourquoi. Bon, je gaspille de la magie soin, mais c'est quand même extrêmement facile à trouver, il me semble. Puis de toute façon, rendu à ce niveau-là, je vais peut-être plus trouver d'autres styles de soins. Bon, c'est pas trop grave. On rentre dans cette salle-là. Et voilà. Rapport sur les aliénateurs. Voilà, c'est les noms des monstres présents dans ce cargo. Tous les monstres à bord du vaisseau ont été abattus, mais nous consignons ici des infos au cas où ils réapparaîtraient. Les aliénateurs sont féroces, rapides, et ils mesurent de 3 à 6 mètres. Ces carnivores sont ont dévoré plusieurs membres de l'équipage. Il existe 8 aliénateurs indépendants, mais ils constituent un seul et même être. Vous devez les tuer dans un ordre précis, sans en oublier aucun. En effet, si vous tuez un monstre, celui-ci faisant partie d'un tout, il pourra être ressuscité par un autre alien. Ainsi, les mêmes caractéristiques. Les 8 monstres forment une entité unique
afin de protéger leur refuge. Ils semblent immortels, mais vous pourrez les détruire définitivement en suivant une règle logique. Si nous donnons à chacun des aliénateurs une lettre A à Z, à S, B peut ressusciter A, D fait revivre C et ainsi de suite jusqu'à As. Si vous tuez B juste après A, A ne pourra pas être ramené à la vie. Nous avons établi que les monstres ressusciteurs présentent des caractéristiques identiques. C'est tout ce que nous savons pour l'instant. Bonne chance. Donc en gros, on doit tuer les tuer par paire de même couleur, c'est ça? Eh oui. C'est ça que j'ai dit au début de l'épisode. Donc, on doit les tuer par des paires de même couleur. Et je n'ai pas vu cette magie-là qui est vie. Donc, ça va être super utile. Bon, un, parce que je crois que j'en ai gaspillé qu'un, mais bon. Voilà, un petit salaire, c'est parfait. Et le dernier aliénateur, qui est le zone, tout simplement. Allez, on attaque. Ils sont extrêmement simples à tuer. J'ai pas checké leur magie. Qu'est-ce que t'as? Bon, rien de formidable. Rien de formidable, mais bon. Là, on attaque. Parfait. Bon, il va mourir assez vite parce qu'il arrête pas de m'attaquer physiquement. Allez. Bon, Linoa perd pas énormément de points de vie non plus, c'est parfait. Voilà, il est pas mort. Donc, je vais essayer de piller. Et oui, je l'ai eu à la fin. Au coup de grâce, donc c'est parfait. Allez. Tan tan tan. Et on les a tous battus. Ah, Ahuri a pris défense plus 20. Donc, on va checker Ahuri. Bon, on va t'apprendre... Bon, défense plus 40. Et j'ai oublié de... Une petite chose. Et c'est Linoa, hein? Oui, vitesse. Je te mets quoi? Comment? Auto-magie ou... Bon, je te mets magie. Donc, c'est ça. La vitesse avec booster. Psy un coup. Ouais... Perso, j'aime pas que Psy soit sur un coup. Donc, Morphée est sur un coup. Toi, mets Morphée. Et un coup va aller là. Je préfère ça. Certes, j'aurais pu la mettre en attaque, en fait. Et là, comme vous voyez par terre, les aliénateurs sont morts. Ils sont plus dans le vaisseau, donc c'est parfait. Donc on peut monter en haut. Et on va voir une musique. Quelle vue incroyable. On va attendre plutôt, on va entendre une musique. La musique de FF8. Et je risque de ne pas parler. Je dois piloter ce machin. Squall, ça essaie de communiquer. Augmenter le volume. Ici, la station orbitale Estar. C'est Hydre. Me recevez-vous? Hydre, vous m'entendez? Un signal. Ici, station orbitale. Me recevez-vous? L'Hydre, c'est ce vaisseau? Excellent. Vous êtes là? Où ça exactement? Position inconnue. Entendu. Ne vous inquiétez pas, on peut vous localiser ici, d'ici plutôt. On va rentrer chez nous? Hydre, ça fait 17 ans. On peut rentrer chez nous? Laissez-nous faire, vous devriez avoir assez de carburant. Entrez vos coordonnées de destination, le vaisseau s'y rendra automatiquement. On vous escortera. À votre atterrissage, vous allez voir, c'est facile. Comment entrer les coordonnées? Pas de panique, on va vous expliquer. Vous êtes dans le siège de pilotage? Désolé, j'arrive plus à lire, c'est fou.
Il y a plusieurs sièges ici. C'est celui sur la droite. Asseyez-vous dedans. Ça y est. Vous voyez l'écran tactile devant? Oui. Le reste est très simple. Entrez les codes suivants. Je vous écoute. WZASEIE/. OK. Ensuite, 2872/ASD. Trait d'union IEU. OK. Pas d'erreur. Non, c'est bon. Bon, maintenant voyons pour la sécurité. C'est juste pour économiser le plus de carburant possible. Vous allez débrancher le générateur de pesanteur. Pour cela, utilisez le même écran tactile. D'accord. Voilà. Mission accomplie. Bravo, vous allez pouvoir rentrer chez vous. Et voilà la musique de FF8. Écoutez.
Là, là, les amis, cette musique, je ne sais pas quoi faire. J'ai pas voulu parler, mais c'est une belle scène, mine de rien. Me voilà à une autre croisée des chemins. Mais pour la première fois, je ne sais pas lequel prendre. Et en arrivant sur Terre, ils vont aller capturer Linoa. J'en suis là parce que j'éprouve quelque chose pour toi. Linoa. Alors, dois-je te laisser partir? Prêtresse Linoa, descendante d'Inn. Suis-nous, ton pouvoir doit disparaître à jamais pour le bien de l'humanité. Très bien. Merci. Tu as pris une sage décision. Fais-nous savoir quand tu seras prête. Je dois te dire quelque chose. Dans l'espace, j'étais possédé. Une sorcière s'est emparée de mon âme. C'était Ultimecia, la prêtresse du temps. Elle essaye de comprimer l'espace. Passé, présent, futur ne feront qu'un. Elle sera la seule à pouvoir survivre dans cette dimension. Elle et personne d'autre. Tant que je serai en vie, elle se servira de moi pour atteindre son but. On ne peut pas la laisser faire, n'est-ce pas? Je dois disparaître. Je suis prête. Très bien. Nous partons pour le mausolée, pardonnez-moi, j'arrive pas à lire, c'est fou. C'est à cause de cette scène précédemment, c'est à cause de ça, ça m'a ému, j'arrive plus à parler, voilà. Ok. Linoa, j'ai pas eu le temps de lire, c'était trop vite. Je pense qu'il a dit par pas. Merci, Squall. Linoa. Point, 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 oh. C'est toujours ton anneau. Garde-le. Vraiment? Oui. C'est terrible. Linoa, je ne peux rien faire. Bon, je sais pas où qu'il faut qu'on aille. Je pense que c'est dans le vaisseau. Mais j'en suis pas sûr. Par là, c'est quoi? Je pense pas, mais bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis perdu! Je ne peux pas monter. Par là. Ah oui, c'est là. Bon, ok. Parfait. Bon, Squall va un petit peu, on dirait, réfléchir sur Linoa et tout ça. Selfie? Salut la compagnie! Comment as-tu rentré? C'est un vrai roman. Je suis tombé dans les vapes lorsqu'on s'est écrasé. Quand j'ai repris mes esprits, il n'y avait que Piet et moi. Piet? Oh, le type qui s'est sauvé avec nous, il s'en rappelait tellement plus. Mais Elon? Elon avait disparu, j'espère qu'elle va bien.
Piet a attendu l'équipe de secours. Moi, j'ai trouvé un chocobo et on a volé jusqu'à ce vaisseau. Incroyable, hein? Ok, je comprends. Elle a trouvé un chocobo puis elle a volé dessus. C'est fou. Ce vaisseau fonctionne? Aucune idée. Squall. C'était si romantique lorsque tu as sauté dans l'espace. Un vrai chevalier servant. Hey, mais où est la princesse? Linoa? Es-tu contente, Selfie? Elle saute de joie, là. C'est fou. Bon, bref. Squall. Génial, tu n'es pas blessé. J'ai malheureusement des mauvaises nouvelles. Je vais t'expliquer. Une espèce d'énorme frigo appelé Lunatique Pandora est apparu dans le ciel. Il a empêché Edea de faire ce qu'elle voulait, mais en fait, notre gouvernante n'est plus une sorcière. Elle a transféré ses pouvoirs sur quelqu'un d'autre. Sur Linoa. Et oui, quand on a battu Edea, elle a transféré ses pouvoirs à Linoa, tout simplement. Ce truc, ce lunatique Pandora, c'est l'armée galbadienne qui le contrôle. Ils l'ont repêché dans l'océan, là où Estor l'avait balancé il y a des années. Dans Lunatique Pandora, il y a un massin appelé Pilier Cristallin qui attire les monstres lunaires. Alors, évidemment, les monstres ont dégringolé sur Terre. Adèle et son sanctuaire ont été emportés par la vague de monstres. Lunatique Pandora a récupéré Adèle. César pense que c'est ce que voulaient les Galbadiens. Autrement dit, c'est la panique. Exactement. Mais je ne peux pas me concentrer maintenant. Je suis trop préoccupé. Pourquoi? Linoa est devenue une sorcière. Elle a hérité des pouvoirs d'Edea. Et comme que j'ai dit, voilà, Squall pense comme moi. Des soldats d'Estor ont emmené Linoa. On doit aller la chercher. Elle est prisonnière? Non, c'est sa volonté. Elle avait peur de faire le mal. Elle est terrifiée à l'idée que tout le monde se mette à la haïr. Elle préfère être seule. Tu ne l'as pas empêchée? Je ne peux pas lui dicter sa conduite. Quoi? Mais tu sais très bien que ce n'est pas une solution. Pourquoi lui avoir sauvé la vie si c'est pour qu'elle finisse ses jours loin du monde? Ouais, Squall, c'est bon, c'est très spécial. Tu l'as livré à Estor? Si tu l'as sauvé, c'est pour être à ses côtés, non? Tu es incohérent. C'est vrai. Incohérent. C'est possible? Que faire? Je ne reverrai jamais Linoa. Je veux revoir Linoa. Moi, je m'inquiète plutôt que Selfie et Irvin sont partis. Je me demande qu'est-ce qu'ils font. Que faire? Il n'y a pas 36 solutions? Tu as décidé? On va à Estor, non? Oublions ce lunatique Massin et Adèle. Quant à Elon, je n'ai aucune idée d'où elle peut être. Tout ce que je sais, c'est où se trouve Linoa. Et je sais aussi que je veux être avec elle. Allons chercher Linoa. Bon, on s'en va chercher Linoa. Comment? Je vais sûrement parler aux autres. Salut, tu veux pas? Bon, il veut pas me parler. Ok, wow! Ah! Hey! On vole? Oui,
Et en plus, Selfie est aux commandes. Voilà, elle est partie pour prendre les commandes. Ah, c'est pour ça que j'ai attendu. Trop cool! Et assis à ses côtés, Irvin était aux anges. Et évidemment, c'est tout le temps comme ça. Voilà, on s'en va voir la cabine de pilotage. Voir qu'est-ce qui se passe. Trop cool, on vole. Selfie est incroyable, hein? Tu es sûr de savoir piloter? Ça s'est enclenché tout seul, mais je devrais pouvoir me débrouiller. Du moins, jusqu'à ce qu'on s'écrase. Ouh, ça fait confiance. Voilà qui est encourageant. Squall, arrête de penser comme moi, s'il te plaît. Selfie, direction Estor. On doit sauver Linoa. Elle est sans doute au mousselet. J'arrive pas à dire ce mot. Voilà, on a notre nouveau vaisseau, comme que je vous ai dit. L'hydre. Et on peut tout simplement aller à des places qu'on pouvait pas avec la BZU. Et on doit aller au mausolée d'Estor, donc c'est là-bas. Je sais pas comment que ça fonctionne. Une minute, je vais juste checker mes associations. Remplacer. Linoa va sur Zell. Et Selfie. Je vais prendre Coustis, ouais. Ouais. Va sur Coustis. Oui. Parfait. Parfait. Et donc, on peut commencer. Oui. Bon. On s'en va tout simplement. Une minute, je suis en train de checker les commandes. Ça, c'est pour reculer. Ça, c'est pour sortir. Bon, la carte pour le mausolée d'Estor. Qui est? Je vois tellement pas. C'est quoi ça? C'est le vaisseau. C'est là-bas. Par là-bas. C'est sûrement pas à l'extérieur de la ville. Je suis perdu! Ok, bon. Je m'appare tellement facilement. Par là. Ouais, ça doit être là. Je vais essayer de finir les... Oups, j'ai sorti, il fallait pas. Je vais essayer de finir... peut-être... on va dire la quête principale dans cet épisode. Même si c'est pas vraiment la quête principale. Bon, je me trompe de bouton, je suis vraiment désolé. Allez, je vais essayer de finir la quête principale, comme que je vous dis. Maintenant, dans cet épisode. Allez, comme ça, parfait. Bon, c'est là le mausolée. On a des combats parce que je ne suis plus sur nos combats. Donc c'est dommage, mais pas grave. On va s'entraîner un petit peu. Foudre, ok. Bon, ça fait pas extrêmement mal non plus. Attaque, attaque, attaque. Bon, ça doit pas être fort comme ennemi. Ah, folie. Je pense que je vais m'enfuir en fait. Mais pourquoi t'as attaqué? Pourquoi t'as attaqué Quistis? C'est vrai que t'es sous folie, mais bon. Bon, on y va. Bon. Déjà, depuis que j'ai plus nos combats, ça va me saouler. Ah, non, pas ça. Ça, c'est pour plus tard. Va-t'en. Ah. Merci. Au revoir, Coustis. Bref, c'est pas tellement grave. Je vais mettre nos combats. Parce que j'ai même pas fait un pas. Il y a des mobs qui me pop à la gueule. Mais c'est vrai qu'il y a plus... d'ennemis aussi. À cause de l'alarme sélénite. Une minute. Squall. Voilà. Association. Capacité plutôt. Bon. Nos combats. Voilà. Et on va dans le mausolée d'Estor. Mausolée. Non, c'est mausolée, je pense que ça se prononce. Bref. Ah, une magie, c'est stop. Bon, on vole ça, on donne ça à Zell. Voilà. Vous voulez dire au revoir à votre ami?
Je vais faire une exception passée. Parfait. On va aller dire au revoir à Linoa. Allons-y. Cette zone est interdite. Je dois le faire, sinon j'en aurai jamais le cœur net. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais ce que je veux et comment l'obtenir avec un peu de sens. J'emmène Linoa avec moi. Quoi? Tu es fou? C'est trop tard. Fonce, Squall. Allez, on va essayer de libérer Linoa, je sais pas comment. Attends. C'est par là, en fait. Oui. Oui, bon. Linoa, attends, je vais t'aider. Qu'est-ce que je peux faire? Non, Squall, je suis une sorcière. Ça m'est égal. Linoa, Squall, allons-y. Bref, c'est une scène qu'on a vue dans l'introduction du jeu, pour ceux qui s'en rappellent. Ce type, je l'ai déjà vu, pardonnez-moi, j'arrive pas à parler, comme d'habitude, ça fait changement, hein, voilà, on a vu une personne qui ne parlait pas, ça ne va pas, Linoa, j'ai honte, voilà, une personne qui ne parlait pas, de quoi, avec une corpulence assez grosse, donc on peut deviner c'est qui. Vous avez décidé de rester à Estor. Mais vous êtes venu me chercher. Vous étiez si heureuse et pas de quoi être gênée. On a fait notre devoir. Merci à tous. Tu es bien silencieuse, silencieux, Squall. Quelque chose ne va pas? Plein de choses. Je suis spécialiste en Squall. Il se dit dans quelle galère on s'est mis. Mon conseil, apprécie le moment présent. On verra ensuite. Squall, essaie d'être optimiste, pour une fois. Mouais. Dans quelle galère on s'est mis, en fait. Il faut bien réfléchir. On doit s'occuper de ce lunatique truc à Estar. Ce sont les Galvadiens qui le contrôlent. Ce qui veut dire que Cypher est derrière tout ça. Et oui, Cypher, encore lui. Cypher n'est que le pantin d'Ultimecia. Ultimecia, la sorcière du futur. On doit l'empêcher d'agir. C'est à ça que sert le Cid, hein? Détruire toutes les sales sorcières? Zelle! Ouais, la subtilité. Oh, pardon. Bon, Squall, on fait quoi? On pourrait aller à l'orphelinat dont vous parliez à Trabia. Cet endroit est en ruine. Il n'y a plus rien à voir. Je préférerais être dans un endroit désert comme ça. Si Ultimecia s'empare de moi... Ok, allons revoir l'orphelinat d'Edea. Bref, on s'en va dans l'orphelinat. La musique est super belle en plus. C'est par là. Voilà.
Je sais pas comment que ça fonctionne, mais bon. On va aller par là-bas. Et voilà, on est sorti de Star. L'orphelinat, je pense, c'est là-bas. Et oui. On dirait. C'est là. Pourquoi j'ai des petits frises comme ça, je ne sais pas. Là-bas. Ouais, je suis en train de chercher l'orphelinat. Qui doit être à peu près là. Là-bas. Là-bas, là-bas. Là, non. L'orphelinat est là. Et là. Je suis con. Je suis trop con. L'orphelinat est à quelque part là-bas. Bon, on est devant. On est devant. Je crois. Une minute. Ouais. Je suis en train de chercher pour l'orphelinat. Par là? Non, je penserais pas. En fait, l'orphelinat est mort. Disparu. Ah, là-bas. J'arrive pas à croire que je ne l'avais pas trouvé. Par là. Pour descendre, c'est quand même assez galère, mine de rien. Voilà. Xeno combat, parfait. Je pense. On va pas rentrer dans l'orphelinat tout de suite, en fait. Voilà. Une source de magie sidérale. On va le donner ça à Quistis. Bon, deux, c'est correct. Ah, il y en avait un juste là. J'avais jamais remarqué. Puis, ils étaient un petit peu checkés. Bref, on va s'arrêter là. Ça fait un gros épisode. La prochaine fois, on va continuer. Je voulais faire tout le reste de la quête principale maintenant. Avant de passer aux quêtes annexes. Mais j'ai peur que ça dure une heure. Puis, ça me tente pas. Donc, en espérant que cet épisode vous ait plu, la prochaine fois, on va faire des quêtes annexes. Je sais pas combien d'épisodes ça durera. Peut-être 5, peut-être 6, je sais pas. Voilà. En espérant que cet épisode vous ait plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça ferait extrêmement plaisir. Surtout pour cette belle musique qu'on a eue, qui est Eyes on Me, en fait. Pour ceux qui voudraient savoir. Puis, on en entend parler au disque 2. Donc, juste pour vous dire. Oui, j'utilise le format disque, même si je suis tout simplement sur Steam, mais bon. Voilà. C'est ça. En espérant que ça vous ait plu. Donc, n'hésitez pas, comme que je vous ai dit, de liker, commenter, partager. Ça ferait extrêmement plaisir de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et dans quelques jours, et on va se retrouver plutôt dans quelques jours pour le prochain épisode de Final Fantasy VIII. En attendant, moi je vous dis, portez-vous bien, amusez-vous bien surtout. Et bye tout le monde. Allez, bye bye. We'll be right back.